Alors, bienvenue à vous sur Kazaku.com. Dans cette vidéo, nous verrons comment installer le célèbre logiciel de montage Camtasia. Sans plus attendre, rendez-vous sur www.kazaku.com et vous allez remarquer le symbole infini sur lequel vous allez cliquer. Alors, vous choisirez la rubrique téléchargement qui vous mènera vers l'écran suivant. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une petite description du logiciel de montage vidéo Camtasia. Donc, qui permet en l'occurrence de capturer le flux vidéo sur votre bureau. Donc à l'image de Windows Movie Maker, mais la différence c'est que Camtasia enregistre ce qui se passe dans votre écran. Alors, en appuyant sur le lien, nous allons nous rendre vers le lien de téléchargement de Camtasia. Nous allons choisir en l'occurrence, et c'est gratuit, c'est-à-dire le bouton en bleu. Il y a deux boutons, un en orange et un en bleu. L'orange, c'est pour ceux qui ont du cash, et le bleu, c'est pour ceux qui n'en ont pas. Ou bien ceux qui veulent essayer. Donc, sans plus tarder, je vais saisir le mail, mon mail perso. Et là, après avoir attendu un tout petit peu, voilà, mon logiciel, il est téléchargé. Je vais l'exécuter et me chargerai d'installer ces composantes. Alors, comme vous pouvez voir sur le coin inférieur droit de mon écran, il y a un petit exemple de création de vidéo avec Camtasia. D'accord? Voilà, donc je suis maintenant en train d'installer Camtasia. Je procède de manière classique en faisant suivant, 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 suivant. D'accord? Suivant. Ici, en fait, je vais choisir un répertoire différent de celui où mon logiciel est installé pour ne pas écraser mon installation qui existe déjà. D'accord? Mais vous, dans votre cas, vous allez installer directement. C'est pas la peine de changer de répertoire. Donc, suivant. Ici, je vais décocher suivant et encore une fois suivant. Ça dépendra de vos préférences si vous voulez lancer Camtasia juste après l'installation ou non. Moi, je ne vais pas lancer, donc je ne vais pas cocher la première case. Alors, une fois ceci fait, je vais double-cliquer sur Camtasia. Je vais un peu en fait vous présenter un tout petit peu cette interface. Donc, vous avez un menu horizontal comme celui qui est commun à tous les logiciels. En bas, je suis en train d'encercler un bouton qui est très important. C'est le bouton qui permet d'enregistrer vos vidéos, Record the Screen. Donc en bas, vous avez la timeline. C'est là que je place mes vidéos. Donc c'est la portion qui est encadrée en rouge. Sinon, vous avez des menus comme librairie, où il y a des librairies musicales, comme les call-outs qui permettent d'insérer des champs texte et des animations sur les textes, etc. Vous avez aussi le zoom in qui permet de faire des zooms sur votre écran, la gestion de l'audio, des propriétés visuelles. Donc, autant de menus que je vous présenterai dans de nouveaux cours sur Kezaku.com. Donc, l'essentiel, c'est que vous avez installé votre logiciel Camtasia. En espérant vous revoir. Merci.